une série d'exercices, trois exercices concernant l'identité remarquable et en même temps, et calculs numériques concernant les nombres rationnels. Premier exercice concerne les nombres rationnels en calcul numérique. Si on commence par le produit et la division, temps 1,25 en valeur donne sous forme A sur P. En même temps, je simplifie, voilà, je 35 avec 14, 9 avec 6, là, je simplifie par 7, 35, 14, 9 et 6, je simplifie par 3. On calcule. Non, 10 mètres communs, c'est 12. 12 divisé par 6, c'est 2. 2 fois 5, 10. 12 divisé par 4, 3. 3 fois 15, 45. 12 divisé par 3, c'est 2 fois 3, c'est 4. 4 fois 2, 8. 12 divisé par 4, 3. 3 fois 5, 15. Je calcule. 10 plus 8, 18. Moins 45, moins 15, c'est moins 60. 18 moins 60, c'est moins 42 sur 2. Je simplifie par 6, je trouve moins 7 demi. Là, je commence par calculer ce qu'il y a entre parenthèses. On calcule. Tu mets le commun. Et là, je multiplie par l'inverse. Simplifie 15 avec 15, 8 avec 56. Simplifie par 8. Donc je trouve un septième. Je commence par calculer le produit. Là, 3 fois 1, c'est un quart moins 3 fois 1, c'est 3. 2 fois 7, 14. 2 mètres communs, c'est 28. 28 divisé par 4, c'est 7, 7 fois 1, 7, et 28 divisé par 14, c'est 2, 2 fois 3, c'est 7 moins 6, c'est 1. Là, je commence par enlever les parenthèses, car je vois qu'il y a ici un dimètre commun, 17, 17, 17, et je vois ici 23. En même temps, je simplifie 2 sur 46. Voilà. On enlève les parenthèses, je change les signes. Moins, pas plus, c'est moins. Et moins, pas plus, c'est moins. Là, je ne change pas, car il y a plus. Je calcule les nombres qui ont le même dénominateur. 17 et les nombres qui ont le même dénominateur, 23. Je simplifie 17 sur 17, 1, et 46 sur 23, 2, 1 plus 2, 4. On a un développement qui concerne l'identité remarquable. Avec sous forme de A moins B carré, donc A carré moins 2AB plus B carré. On a 8x le tout au carré, c'est 64x carré, moins 2 fois 8 fois 5, moins 80x plus 5 au carré, 5 au carré, 25. Pour P, on a cette formule A plus B carré, A carré plus 2AB plus B carré. Donc A, c'est 5x sur 6, 2AB 5x sur 6, plus 2 fois 5x sur 6 fois 9 demi, plus 9 demi le tout carré. Là, je simplifie 2 avec 2 et 9 avec 6. 2 sur 2, c'est 1, 9 avec 6, je simplifie par 3. Je trouve ici 25x carré sur 36, 25x carré sur 36, plus 15 demi x,
10 sur 21 sur 4. On est en calcul numérique. A moins B facteur de A plus B. A carré moins B carré. Donc 3 sur racine de 6 le tout au carré. Moins racine de, 6, de 7 sur le tout au carré. 3 au carré c'est 2. Racine de 6 au carré 6. Racine de 7 au carré 7. 2 au carré c'est 4. Simplifie avec 3. 3 demi moins 7 quarts du mètre commun, c'est 4. 4 divisé par 2. 2, 2 fois 3, 6. Et 6 moins 7, c'est moins 1. A moins b carré. Donc a carré moins 2ab plus b carré. 3 sur 4 au carré moins 2 fois 3 sur 4 plus 8 au carré. Plus 8 au carré. Ici, 3 au carré c'est 9. 9x carré sur 16. Simplifie 2. Simplifie 8 avec 4. 8 divisé par 4 c'est 2. 2 fois 3x fois 2, on trouve 12x. Plus 8 au carré 64. Là, on a a plus b carré et a plus b facteur de a moins b et a carré moins b carré. Donc ici, je calcule la première, donc 5x le tout carré, 25x carré, plus 2 fois 5, 10 fois 10x fois 7, 70x, plus 4, 7 carré, 49. On a x carré moins racine de 5 au carré, racine de 5 au carré, 5 moins. Attention ici, on doit laisser les parenthèses. 4x au carré, 16x carré, moins 2 fois 4, 8 fois 3, 24x plus 9. On lit les parenthèses. Ici, vous avez moins avant les parenthèses, donc je change les signes. Donc, aussi, moins 16x carré, moins. Plus 24x moins 9. Je simplifie les x carrés d'abord, parce qu'ils sont en rouge. Ensuite les x, ensuite les nombres. 25x carré plus x carré moins 7. 25 plus 1, 6. 26 moins 7, 10. 70x plus 24, c'est 94x. Et là, on a 5 plus 9, c'est 14, 49, moins 14, donc 5. Si on a des exercices, ensuite, vous avez factorisation ici. x² moins 10x plus 1. On voit qu'on a trois termes et on a moins. Je vérifie, il n'y a pas de facteur commun. Donc, je pense qu'il y a ici l'identité remarquable. Ici, vous avez le deuxième, a moins b, la deuxième identité remarquable, a moins b carré, c'est comme on a ici, 25x le tout au carré, 10x moins 10x, c'est qu'on a moins 2 fois 5x fois 1 plus 1 au carré qui est égal à 1. Donc, vous avez 5x moins 1 le tout au carré. Fx carré moins 17, pas de facteur commun. Donc, je pense à la troisième identité marquée a carré moins b carré. Donc, 3x le tout au carré, c'est 9x carré. Vous avez racine 17 le tout au carré, c'est 17. Donc, on trouve 3x moins racine 17, c'est 3x plus racine de 17. Donc là, pas de facteur commun, donc je pense qu'il y a une identité remarquable, donc il y a ici le tout plus. Vous avez la première identité, a plus b, le tout au carré. Donc x carré plus 2 fois x fois 2 plus 2 au carré. X plus 2 le tout au carré. Là, ici, on n'a pas de facteur commun, on a deux termes. A carré moins b carré. A moins B facteur de A plus B. Avec A,
6x moins 1 et P 2x moins 9. Donc, A 6x moins 1 moins, entre parenthèses, 2x moins 9, facteur 6x moins 1 plus 2x moins 9. Je calcule ce qui est entre crochets. Ici, on enlève les parenthèses. Moins, vous avez moins 2x plus 9, non. 6x moins 1 moins 2x plus 9, car il y a les parenthèses. 9 moins avant les parenthèses. Là, on n'a plus pas de problème. 6x moins 1 plus 2x moins 9. Je calcule 6x moins 2x, 4x moins 1 plus 9, 8. Et 6x plus 2x, 8x moins 1 moins 9, moins 10. Là, vous avez 4x plus 8. On factorise par 4. Donc, je divise par 4. On retrouve x plus 2. Et là, je simplifie par 2. Je factorise par 2. Donc, je trouve 4x, 2, 4 divisé par 2, c'est 8 divisé par 2, 4. Donc, 4x et 10 divisé par 2, 5. Donc, 4x moins 5. Et 4 fois 2, 8. On trouve 8, facteur de x plus 2, facteur de 4x moins 5. Là, vous avez sous forme de a carré moins 2ab plus b carré. Avec A est égal à 3x plus 5 et B est égal à 7x moins 2. On a A moins B, le tout au carré. Donc 3x plus 5 moins 1 parenthèse 7x moins 2, le tout au carré. Je calcule ce qui est entre crochets. 3x plus 5 moins 7x plus 2. Je calcule 3x moins 7x moins 4x et 5 plus 2. 7. Là, on a un facteur commun. Là, vous avez ici x carré et vous avez x au cube. Le plus petit exposant 2, donc je factorise par x carré. On a 28 et on a ici 42. 42, ici, vous avez un divisé commun. Le plus grand, c'est 14. Donc je factorise par 14 x carré. Là, vous avez ici 28 x carré. Si on a 14 x carré fois 2. Et là, c'est comme on a 14x carré fois 3x. Donc, je factorise par 14x carré. Je trouve 14x carré, facteur de 2 moins 3x. Et je vois qu'il y a un facteur commun encore, x. Je factorise par x. X puissance 4 moins 2, 156. Et là, je vois, c'est sous forme de a carré moins b carré. X carré, le tout au carré, moins 16 au carré. 16 fois 16, c'est 256. Donc là, vous avez a moins b, facteur de a plus b. Je trouve x, facteur de x carré moins 16, facteur de x carré plus 16. Ensuite, je vois x carré moins 16, c'est une identité remarquable. Voilà, x carré. Moins 4 au carré, x moins 4, facteur de x plus 4. On trouve x facteur de x moins 4, facteur de x plus 4, facteur de x carré plus 16. Merci de votre attention.